Voici un récit de la bataille de l'Atlantique. C'est l'histoire d'un océan, de deux bateaux et d'une poignée d'hommes. Les héros, les équipages et leurs bateaux. Et pour unique héroïne, la mer cruelle, que l'homme a rendue plus cruelle encore. Ça donne maintenant. Écoute, Renette, commandant, laissez le pleurs. Il y a plusieurs hommes à la mer à cet endroit-là. Eh bien, il y a un sous-marin juste au-dessous d'eux. Attaque! Attention! But rapidement vers la droite. Distance 200. Distance 100. Écho instantané. La guerre n'a plus le même caractère qu'au commencement. Et les hommes ne sont plus les mêmes non plus. Comment l'entendez-vous, commandant? Oh, au début de la guerre, on avait le temps de s'occuper de toutes sortes de choses. Essayer de comprendre les hommes. Se montrer indulgent avec eux. Se demander s'ils étaient contents ou pas. Maintenant, tout ce qui importe, c'est de tuer des ennemis. Je vais prendre la mer d'un moment à l'autre. Croyez-vous que j'ai tort? Faut-il mieux laisser quelqu'un derrière soi? Il vaut toujours mieux avoir une raison de vivre. Je crois qu'ils font exprès de nous charger toujours des missions de diversion. En somme, c'est plutôt flatteur pour nous. Je me dispenserai de ces flatteries. La nuit est plutôt fraîche. Voilà le cacao qui monte, commandant. Appelez le Vipérous à la radio, transmettez en clair, somme torpillée à 15 000 derrière vous.